Alors bonjour à tous, c'est Rico Chris et on se retrouve aujourd'hui avec un jeu Disney. Ben si, un jeu Disney, regardez, il y a les oreilles de Mickey là. Non? Allez, une petite vidéo spéciale Halloween. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Voilà, voyez, on est dans le thème Disney. Donc, enfin, après 13 ans d'attente, plus de 13 ans d'attente, malgré un petit spin-off, pardon, une petite apparition dans Control. Pardon, je digère. Gère. Nous avons enfin Alan Wake 2. Oh. Mon Dieu. Rien que de le dire, c'est. Ça fait plaisir, ça c'est. Oh là 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 là. C'est. Incroyable, inimaginable. On me l'aurait dit encore il y a 3 ans, j'y aurais pas cru. Enfin, Alan Wake 2. Nous sommes partis. Je sais pas si je vais diviser la vidéo vu que je veux faire un spécial Halloween, donc je verrai bien. En tout cas, on est parti. Alan Wake. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Super transition. Waouh. Par contre, les sous-titres sont aux fraises, hein. Ok, il n'y a plus de son. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Oh lolololol. J'ai plus de son du tout, hein. Allô? Allô? Ok, bah écoutez, on va relancer le jeu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah écoutez, vous l'avez en direct, hein. Toute progression de sauvegarder, mais il n'y a plus de son. Bon, je relance le jeu, hein. Ça commence bien. Là, il y a du son, hein. Donc là, vous allez tendre mon GSM. Je tape problème son pour voir un peu. Alors, attendez. Souvent dès la cinématique. Ok, bah ça c'est ok. C'est quoi la solution? Redémarrer la console. Il y a du son. Eh ben dis donc, ça commence bien. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. On va passer, hein, on a déjà vu.
Ah, là, on a le son. Ok, bon. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir, hein. Optimisation toujours aux fraises, hein. C'est agréable. On adore ça. Le jeu n'existe pas en boîte en plus. Donc, venez pas me dire qu'il y a eu un problème de temps. 70, presque 80 gigas le jeu. Et on a des problèmes de son. Eh ben, merci Remedy, hein. Je vais légèrement baisser mon retour. Voilà. Pas me dire qu'ils m'ont pas vu. Eh ben, dis donc. Les jeux pas finis, ça a l'air d'être devenir de plus en plus une grande constante, hein. C'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est honteux. N'allez pas me dire qu'ils ont pas pu le voir en bêta test, c'est dès le début. Enfin bref. Oh non, à l'époque vous allez pas faire des jumpscares de merde. Hein. C'est le degré zéro de l'horreur, ça. Oh, je suis déjà retombé, mais ma hype est déjà retombée, mais d'une force. Entre le problème de son et le jumpscare, là, je suis déjà plus dedans. Bon, graphiquement, c'est loin d'être moche. Des lumières, la lumière. Ils ont plus peur de la lumière? Ils ont plus peur de la lumière! Ils ont plus peur de la lumière! Que je fasse. Ok, je vais peut-être mourir. Oui. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème de lumière, ce ne sont pas les ombres. Intrigant. Des frissons, j'ai des frissons. Honnêtement, j'ai des frissons. Alan Wake reste pour moi un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait de ma vie. Oh putain, mais c'est quoi ça? Hey kiddo, how are you? I'm good, mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought.
I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! Qu'est-ce que c'est que ça? You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Mais les gars, ils ont pas bêta testé leur jeu, c'est pas possible. C'est... C'est pas le gars du FBI du premier? Snarky kid. Wonder where she gets that from. Je suis en train de regarder Twin Peaks en plus, alors... Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Bon, écoutez, entre le bug de son et le problème de dialogue, là, je commence vraiment à m'inquiéter. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. En plus, il a été décalé, je crois, pour le peaufiner, donc... Sérieusement, les gars. Je connais déjà le titre de la vidéo. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Bright Falls. Oui, on est de retour. Man, Bright Falls. Oh. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Oula. On a une map et tout maintenant. On doit aller. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Si. What can you tell us about the crime scene? Tell about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Mm-hmm. Were there any witnesses? Yeah, a couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence. Down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting.
Thornton. Thank you. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. C'est beau. L'antre mental, oui. Cthulhu. The mind place. Ah oui, carrément quoi. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Wow. The facts are on the board. Eh ben, ma vieille. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. J'essaye. Cauldron Lake. Oui, ça rappelle les souvenirs. Alors voyons, victime. En 2010. C'est quand on se passe à la Alan Wake 1 normalement. Ok, ils ont tous les trois disparu en 2010. C'est bizarre. Parce qu'ils en ont retrouvé une en 2018 et un il y a deux semaines. Mmh. Donc ils auraient disparu l'année de disparition d'Alan Wake. Ah oui! We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Ok, le jeu se met pas en pause quand on est. Ah oui, on se retrouve. Ah oui, oui, ah oui! Il faut faire gaffe, hein. Alors, parce que c'est mon inventaire est plus que réduit. Hey Casey, j'ai déjà plus de vie. You putting me in charge? Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest. La lampe fonctionne. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Bah elle a pas tort, hein. Ça fait déjà 20 minutes. Wow. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peaks. Peak, il y en a qu'un. Ah, Twin Peaks. Je suis bien dedans pour Twin Peaks, le retour. Je me demande vraiment vers quoi ils vont se diriger parce que j'ai presque fini et j'ai l'impression que rien ne se résout. Bon, ouais, y a pas un bouton pour ouvrir juste la map. Je suis obligé de passer dans le. C'est chiant.
Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. C'est la voix de Casey me dit quelque chose. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the... Attendez deux secondes, parce que sa voix me dit quelque chose et ça m'énerve. Alors, Alan Wake. Alan Wake 2. Z, oui, ça marche aussi. Casey. James McCaffrey. Ah, il faisait Max Payne. Ah bah oui, je m'étonne que je le connaisse. Local law had the sense to put up a tarp. If they did, next coffee's on me. Allez, Max. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Il ressemble un peu à Alexandre Assier. Pourquoi je baille? So, FBI, huh? Pardon. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Maintenant, je vois Max. Je vois Max Payne. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic.